Bonjour à tous, je suis Delphine et aujourd'hui on est avec Isabelle. Salut Isabelle. Salut. Et Nathalie. Salut Nathalie. Salut. On va vous parler un petit peu de ce qu'on fait, mais on est parti pour faire un petit café entre copines masseuses de soins énergétiques, de tout ça. Voilà, pour parler un petit peu de nos expériences et puis peut-être pour vous faire connaître un petit peu mieux comment ça se passe quand vous venez nous voir, quelles sont les expériences aussi de nos clients et les retours qu'on peut avoir par rapport à nos soins ou nos massages qu'on fait. Voilà, et on espère que ça vous plaira. Donc Super. salut les filles. Donc, en fait, aujourd'hui, on était parti pour parler déjà de qu'est-ce qui nous tient le plus dans notre pratique. Moi, je peux déjà expliquer pourquoi je suis arrivée au massage. C'est-à-dire Ouais. pourquoi j'ai choisi ça à un moment donné, alors que je faisais tout à fait autre chose. J'ai toujours massé, mais je ne massais pas en pro. Et puis, il y a eu le Covid. Et la Covid nous a un petit peu mis dans le caca un peu hein, quand même tout le monde, puisqu'il n'y a plus de toucher. D'ailleurs, les jeunes de cette époque-là sont très impactés par ça, ils ne se touchent plus, hein, ça c'est clair. C'est un truc de fou dans les lycées, maintenant ils ne se touchent plus. Et donc, j'avais, non seulement ça me manquait à moi, mais je voyais bien autour de moi. Donc, en fait, j'ai décidé de professionnaliser ça et d'aller plus loin, puisque moi j'y ai mêlé l'énergétique. Donc c'était devenu un massage bien-être, mais aussi un massage désincrustant, réalignant, libérateur, etc., etc. Puisqu'il y a plein, plein, plein de mots qu'on peut mettre autour de l'énergie. Et en effet, ça, je pense que moi, ça m'a aidé à guérir aussi. Et ça a aidé énormément de personnes. Et je me suis rendu compte qu'un massage, bon, moi, je me faisais masser déjà depuis plusieurs années, même si c'était sans énergie à un moment. Ça a participé à beaucoup de choses dans ma vie et dans ma reconstruction. Donc, en fait, ça a vraiment. Je voyais l'effet que ça faisait sur les autres. Et c'était. Puis, c'est devenu beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens. Et donc, c'était. Ouais, je ne sais pas. Je me suis dit, c'est vraiment l'élément qui manque là, maintenant, en ce moment. Et puis j'ai continué à faire ça, c'est-à-dire j'ai continué à expérimenter et à ramener des nouvelles choses, des nouvelles pratiques. Ouais, là vraiment, il y avait cette idée. Alors moi, je sais que mes guides, par exemple, m'ont orientée très très vite sur des choses plus précises, que ce soit en soins énergétiques ou en massage. C'était vraiment l'idée de pouvoir aider les personnes à prendre conscience de leur poids, des poids qu'ils portent, c'est-à-dire de ce qu'ils portent dans le quotidien, parce que je discute avant le massage et après le massage, donc il y a vraiment cette idée de communication, de verbalisation et de conscientisation. Donc la personne va pouvoir faire des liens, parce que pendant le massage, il y en a très peu qui arrivent à partir, hein, qui partent vraiment en méditation, donc ils cogitent un petit peu sur ce qu'on a dit avant. Et là, il peut se passer des choses. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que souvent après, ils se lâchent. Là, il y a cette libération. Et je pense que vous allez en parler aussi, comme ça, je. Mais ça peut être autant des choses conscientes qu'inconscientes, énergétiques, émotionnel, enfin il y a beaucoup de choses. Ça va dépendre de la problématique de la personne à la base, mais C'est c'est vrai clair. que c'est très. Il y a quelque chose, on sait, sinon on arrêterait de masser de toute manière. On sait très bien qu'il y a quelque chose que notre action, aussi petite semble-t-elle dans la vie de la personne, a une action, a un impact. Et plus nous on prend conscience de ça. Alors sans ego, hein, là je ne parle pas au niveau égotique, c'est vraiment au niveau conscience, c'est-à-dire de se dire, ben oui, on a cette capacité d'être un canal avec l'énergie, on peut aider la personne à délivrer, à libérer des choses, eh bien il faut le faire, c'est-à-dire que la personne ne vient pas pour rien, même si elle ne le sait pas encore. Oui, tout à Voilà, fait. donc c'est aussi pour ça que je le fais, en tout cas. Voilà. Mais c'est vrai que je rebondis un peu sur ce que tu dis, Nathalie. Souvent, les personnes disent, je ne savais pas que j'avais tout ça en moi en tant que poids, comme tu as parlé de poids. Et après le massage ou le soin, mais là, on parle spécifiquement de massage,
ça libère et on se sent beaucoup plus léger. Alors que en arrivant, on croit que tout va bien. Ouais. On ne sait pas qu'on a la valise et puis la valise, en fait, elle est là et en fait, on la dépose au fur et à mesure que le massage se fait, quoi. C'est Ça, ça. c'est vrai. C'est vrai. Mais Bah, il y il a y en a beaucoup beaucoup qu'on. d'ailleurs Oui. qui viennent, j'imagine pour vous aussi, qui arrivent et qui, quand on pose la question comment vous vous sentez, les gens on a l'impression des fois qu'ils n'osent pas dire. Ah oui, c'est clair. Ils Ils diront disent après. oui, je vais Ouais, bien. tout à fait. Ils diront Et je dis après. mais Avec les alors outils non, mais je leur dis alors. simplement mais est-ce que vous avez des tensions? Est-ce qu'il se passe quelque chose peut-être un peu compliqué dans votre vie? J'ai pas besoin de détails, mais juste, voilà, parce que moi, après, je vais avoir des ressentis et là, il y a des gens qui se livrent un peu. Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment. Juste ça, parce que ben, on n'est pas un psy, donc ils n'osent pas non plus venir et déballer. Il y en a certains qui ont cette pudeur aussi ou cette timidité. Et souvent, la plupart du temps, la réponse que vous avez, c'est bien. Et au moment où vous me posez les mains, c'est Après, il y a pas une bien. C'est pas... manière de détourner de faire ça. Moi, je fais une anamnèse en fait avec tous mes nouveaux clients. Et donc, j'ai un questionnaire en quelque sorte. Hein, j'ai un truc avec une fiche, quoi, avec des choses à poser comme questions, dont l'itinéraire médical en quelque sorte, en tout cas pour les opérations, pour les cicatrices, etc. Puisqu'au niveau énergétique, il y a une signification des mots, MAUX. Et donc, je vois, et c'est typique, en fait, du côté où ça arrive tout le temps, de la zone, du tiroir, hein, en quelque sorte, dans le corps où Ouais. ça arrive. Et c'est tellement vrai, en plus, face à moi, je sais pas, j'ai 300, 400 clients, donc c'est très drôle parce que c'est tellement typique. Enfin, je veux dire, les gens, ils te disent, mais ils ne se rendent pas compte, en fait. Et je dis, ben, vous avez remarqué que c'est tout du même côté? Et là, mais oui, maintenant que vous me le dites. Ben oui. Et là, t'es mort de rire. Donc voilà, il y a quand même ce côté-là aussi interrogatoire, mais c'est pas un interrogatoire, c'est surtout pour moi ne rien louper parce que je vais ressentir des choses en fait dans mon corps, dans mon propre corps, et j'ai besoin de savoir moi si c'est dans cette vie-ci ou si c'est dans les autres. C'est surtout pour ça en fait, pour pouvoir libérer comme il faut. Donc je leur demande ça et ça me permet de savoir du coup déjà des choses en fait sur leur énergétique. Voilà, Ouais, leur passif. c'est Et c'est ça. vrai que c'est vrai qu'en massant aussi, on sent dans le corps, Ah oui. qu'on est vraiment connecté à la personne, on sent dans son corps les points de douleur que la personne peut avoir aussi dans son propre corps, quoi. C'est ça. C'est pour ça que le Ouais. massage, c'est vraiment un rapport au corps aussi, et le rapport au corps en massant, c'est très important pour la personne qui reçoit, puisque Ben oui. on est incarné, donc ça nous réancre aussi, ça nous ramène à la terre, quoi. Donc C'est ça, ça. Bah, c'est justement ça enfin, moi, je sais que mon. Voilà, moi, ce qui me tient vraiment à cœur et comment je suis arrivée à ça, c'est vraiment le corps. Parce que moi, j'ai commencé par le yoga. Et le yoga, ça m'a ramenée dans mon corps, en fait. Parce que moi, je travaillais avant dans un service informatique, donc beaucoup là-haut, hein. Le petit vélo qui tourne toute la journée. On est soumis à des échéances. On a des échéances qui sont des échéances réglementaires de l'État, des banques nationales. Donc il y a tout ça, en fait tout ce circuit qui se met en place, qui fait qu'on reste dans on le reste mental là, ouais. et on omet en fait les maux du corps quelque part. C'est-à-dire que ah ouais j'ai les épaules un petit peu ici, mais bon c'est pas grave. Demain ça ira mieux parce que demain je serai moins stressée. Voilà, mais c'est des petites choses et moi j'ai commencé par le yoga et c'est vrai que ça m'a ramenée dans mon corps. Ouais, c'est Et par ça. la suite, c'est vrai que ça faisait déjà un moment que bon moi j'allais me faire masser une fois de temps en temps. Mais c'est comme beaucoup de personnes, oui, mais j'ai pas le temps, oui, mais je ferai ça demain. Et à un moment, j'ai eu la possibilité, parce que bah, le yoga, c'est lié à l'Inde. Moi, j'adore l'Inde. Et l'Inde, je crois que ça fait partie peut-être d'une vie antérieure ou d'un truc important pour moi, parce que j'ai voulu vivre en Inde. Et derrière, bah, il y a la Ayurveda, forcément, la médecine indienne qui vient, qui prend en conscience. Qui prend en compte ben, à la fois ton corps énergétique, à la fois ton corps physique, qui traite pas le symptôme, mais qui traite la cause la plus profonde, C'est ça. c'est-à-dire les déséquilibres. Et en fait, par l'Ayurveda, moi, je suis arrivée donc au départ au massage ayurvédique, et puis après à d'autres types de massages, le yoga massage, le massage holistique en joignant les énergies. Mais moi, j'ai pris conscience de ce que ça apporte de revenir dans son corps.
et de comprendre. Moi d'ailleurs, j'ai certains de mes clients qui me disent, mais en fait, jusqu'à ce que vous touchiez cet endroit, je ne savais pas que j'avais mal. Et j'ai pourtant pas appuyé, j'ai pas fait de, bah, j'ai pas mis de pression. Mais c'est juste, mes mains se sont posées à cet endroit-là et j'ai commencé à masser. Et là, la personne prend conscience. Donc c'est hyper important. C'est pour ça que ça rejoint ce que vous disiez, c'est qu'en fait, rentrer dans son corps et c'est hyper important. Et moi, je sais que je les amène dans ce voyage à l'intérieur du corps. Parce que les gens partent vite. Moi, je masse au sol, donc du coup, ils sont connectés à la terre déjà. Et c'est vrai que c'est moi, c'est ça qui m'anime. C'est quand sous mes doigts, je peux sentir les tensions, que je dénoue les tensions les unes après les autres, et que j'entends la personne qui fait ah. Et ça, c'est juste un cadeau en fait. Ou quand il ronfle. Moi, j'aime bien aussi. Ah Oui, oui, quand il quand il ronfle, ronfle oui. Ça me fait beaucoup aussi. rire. Alors, ils disent, oh, c'est mon ronflement qui m'a réveillée. Je C'est crois pas que je me suis grave. endormie. Vous avez le droit. Oui, je crois surtout. Ouais, vous avez le droit. Ne vous inquiétez pas. Je vous réveillerai de toute C'est manière si vous retournez, rassurez-vous. ça. Ah, mais je crois que je me suis laissée partir là. Ben, Ouais, c'est c'est très bien, bien, ça veut dire que hein. vous êtes détendue. C'est Vous avez exactement ce qu'il faut faire. lâché Oui. Oh, qu'est-ce que c'est bien, vous avez lâché le contrôle. le contrôle. Ah oui. Et Oui, toi, c'est Isabelle, ça. c'est quoi qui t'a Oui. amené au massage? C'est quoi qui tient? Enfin, est-ce qu'il y a un point qui t'a relié à ça? Ben, le massage, c'est quelque chose que je connais depuis tout temps, de façon vraiment intuitive. Pas que je connais depuis tout le temps, mais que j'ai dû pratiquer, je dirais, dans des vies antérieures, ça c'est certain. Donc c'est vraiment de l'intuitif et je sais que quand je masse, ça libère. Et les mains, elles vont toutes seules, justement, aux endroits qui doivent être dénoués, détendus, libérés. Et tout ça fait que j'ai commencé à masser il y a plusieurs années et là, de plus en plus. Maintenant, j'ai associé aussi le massage métamorphique pour moi, qui est aussi quelque chose de très important. Donc, c'est un autre type de massage pour libérer aussi des tensions, même, je dirais pas dans le corps, mais dans l'esprit et dans l'âme. Bien que tous les massages qu'on fait, même dans le corps, ça libère aussi tout le reste, quoi. Donc, Tout à fait. tout est lié dans tout. Et je reconnais que des fois, je peux masser. 1 heure, 2 heures sans m'arrêter, ça se fait naturellement et je ne suis pas fatiguée, quoi. Donc quand on sait ça, c'est qu'on est dans On ce est qu'il faut. connecté. Ouais, on est Ouais. connecté. Et on canalise. Et moi, des fois, je suis un peu, je sais pas vous, mais moi, je suis des fois un peu frustrée parce que, bon, quand j'étais en Argentine, bon, maintenant, je suis revenue à Paris, mais quand je suis en Argentine, je travaillais je faisais des massages en freelance pour un hôtel. Et forcément, on nous met dans un cadre. Donc, c'est des massages d'une heure, des massages d'une heure et demie. Et bon, moi, j'ai réussi quand même à leur faire comprendre que sur les massages que je fais, j'ai une phase d'intégration du massage. C'est-à-dire que la plupart du temps, une fois que le massage est terminé, la personne, elle se redresse pas. Ah bah elle Parce peut pas, elle que, tomberait, hein. Elle tomberait en fait. voilà, et donc elle est en phase d'intégration de ce qu'elle a reçu, de ce qu'elle a ressenti, de ce qui s'est passé, des fois simplement parce qu'aussi elle s'est endormie au milieu. Donc ça nous met, c'est un peu groggy. Et du coup, des fois, c'est un petit peu, alors moi ici, quand je suis dans mon cabinet, il n'y a pas de souci parce que du coup la personne, quand les gens prennent rendez-vous, il y a par exemple 1 heure de massage, 1 heure et demie de massage, mais je leur dis, vous allez avoir tant de plus parce que c'est nécessaire en fait. C'est ça. Et souvent les personnes comprennent pas, sauf que quand elles viennent après, elles disent, ah mais je sais pourquoi vous m'avez dit ça. Et je dis voilà, vous voyez, je sais ce que je donne. Mais du coup, il y a des fois cette frustration. Bon, là, j'étais pas sur notre terre natale, n'est-ce pas? Donc, il faut des fois s'adapter dans d'autres contextes. Mais toi, par exemple, Isabelle, tu travailles au camping à Beuil. Oui. Et co comment ça, enfin, comment tu gères ça? Est-ce que tu arrives à avoir ce temps aussi? Est-ce que Oui, j'arrive à avoir ce temps. J'arrive à avoir ce temps même parce que la personne, une fois qu'elle est massée, souvent elle reste sur la table le C'est ça. temps que ça décante. Donc déjà là, on peut déjà discuter, quoi. Et il n'y a pas des massages à la chaîne qui s'enchaînent, c'est ce qu'elle veut dire. Donc il y a un temps quand même pour
pour discuter avec la personne, et ça se fait aussi même en même temps que le massage aussi. Parce que des fois, même en massant, les gens se mettent à parler parce que souvent on me dit, ben, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de parler, de libérer les choses et tout. Donc j'explique, hein, je dis, ben oui, vous êtes là pour ça, je vous écoute. Et donc, et puis en massant, des fois, on peut aussi échanger, même si c'est des fois des petites choses. Et puis après, la personne, évidemment, elle reste dans son cocon et elle aussi peut partir parce que ça fait du bien aussi de pouvoir lâcher prise sur sur son ressenti. Et puis souvent, la vie fait qu'on est toujours stressé tout le temps. Donc là, c'est un moment cocooning et on peut vraiment se reconnecter et se libérer, je dirais. Voilà. Moi, j'ai Donc eu ça, ça avec un monsieur, c'est. la semaine dernière. C'était drôle parce que d'habitude, pendant le massage, souvent on va parler parce qu'il y a beaucoup de libération de vie antérieure avec ce monsieur. Et donc on parle, souvent je raconte quoi, ce qui se passe. Et puis il veut, hein, donc voilà. Et puis là, cette fois-ci, je n'ai pas parlé du tout. En fait, j'ai senti qu'il avait vraiment besoin de déconnecter, alors il s'est endormi. Et donc je lui ai raconté après et je lui ai dit, mais. Ah oh ben oui, ça m'a fait drôle, ça m'a manqué que vous parliez pas. Ah, contrôle, contrôle encore, hein? Donc c'était amusant. Mais du coup, ben, ça vous a fait du bien de vous endormir. Il dit, ah ouais, je suis bien là. En plus, il avait un super truc derrière, donc voilà, il fallait qu'il soit super détendu. Donc c'était pile poil quoi. Mais c'est amusant des fois aussi, hein, quand même. Oui. Il ne s'autorise pas toujours à lâcher Et les à lâcher, personnes. oui. Et souvent, on me dit après, je vais faire une sieste. Ce qui est Donc, vrai, ce qui est souvent vrai continue. d'ailleurs. Moi, souvent, quand ils viennent la première fois et qu'ils prennent 1 heure et demie de massage, je leur dis, ben, j'espère que vous n'avez rien prévu Oui, derrière. c'est ça, c'est ça. Vous allez tourner au ralenti, sinon. J'ai un monsieur, une fois, la première fois, il est venu en moto. Il a fallu 1 heure de plus avant qu'il reparte. Hein. Ah ouais, ah ouais. Parce qu'il était tellement dans le. Voilà, il y avait plein de choses qui venaient, tout ça. Donc, je lui dis, ben, la prochaine fois, on vient en voiture. Hein. C'était drôle. Ça. C'est resté notre anecdote. Mais oui, c'est. Oui, je pense qu'il faut leur dire. Alors, moi, c'est vrai que je ne suis pas dans ce contexte-là, puisque c'est mon cabinet, donc je fais ce que je veux. Je cale les rendez-vous comme j'ai envie. J'ai des gens avec qui je vais plus parler, donc je sais qu'il leur faut un peu plus de temps. Il y a des gens où ils sautent de la table presque et ils s'en vont. C'est rigolo, mais selon les polarités, vraiment, on ne réagit pas de la même Oui. façon. Il y en a qui ont peur un peu, hein, de ce qu'ils ont ressenti ou des trucs comme ça. Les premières fois, ils sauvent un peu, hein. Donc c'est assez drôle. Mais ça finit par passer, ça. Et puis, ben voilà, donc il y a un temps, il y a toujours besoin d'un temps avant. Moi, j'ai toujours ce Oui. temps avant où je discute avec la personne, surtout quand il vient régulièrement. Où est-ce que vous en êtes? Parce que bon, j'ai des gens qui viennent tous les mois. Hein, donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis que vous êtes venu, etc. Puis il y a des évolutions. Alors c'est drôle, ils les constatent eux-mêmes. C'est ça qui est marrant. Et ils font les liens, eux. Ils font les liens avec le fait que ce soit ce massage énergétique qui change les choses. Et puis ce qui bouge dans leur tête en même temps et le changement. Voilà, c'est assez drôle. Et puis, ben, petit à petit, après, voilà, ils ont le massage, ils se déconnectent plus ou moins. Et puis après, ben, ils ont besoin de discuter de ce qu'ils ont compris, D'échanger de ce qu'il y a eu, voilà, des émotions qu'ils ont ressenties, parce que parfois, vraiment, c'est très fort. de témoigner surtout. Et voilà, de témoigner. Et puis, alors, ils peuvent le faire pendant, hein, c'est vrai que ça arrive. Mais moi, je garde souvent les soins libératoires pour la fin du massage. Comme ça, je ne les perturbe pas trop. Et je libère les gros trucs souvent à la fin. Après, ouais. Voilà, à la Ouais. fin, parce que c'est souvent au niveau du ventre, au niveau de la gorge, tout ça. Et ça, c'est Voilà. vu qu'on le fait, moi, je commence toujours par le dos. Ouais. Donc, quand ils se retournent, voilà, qu'ils sont Oui, c'est sur le ça. dos, là, on peut attaquer d'autres choses. Et puis, ben, moi, je fais le tantrique en priorité. Donc, c'est sûr que je m'occupe d'autres choses avant de libérer les émotions. Mais ça fait partie. Alors, ce qui est marrant, moi, je trouve surtout les hommes, on n'a même pas le temps de dire ouf, qu'ils sont déjà Ah ben, déshabillés. et la On y va, on y va. pudeur. Non, mais c'est ça, c'est Attendez, vrai. attendez, asseyez-vous, on va un peu parler avant Ben, de ça dépend commencer. lesquels. Ça dépend si c'est la première fois, si c'est la deuxième fois. Moi, Oui, je sais qu'ils aiment quand je bien. parle la première fois, Ils aiment bien ce temps de discussion. oui. Voilà, ils aiment bien ça. Le temps de discussion, au début, ça les surprend qu'on discute un peu avant. Mais quand je leur explique pourquoi, je leur C'est explique la nécessaire. idée, voilà, c'est ça. Ils comprennent, hein, d'ailleurs. Et ouais, ça, c'est là que des fois, ça part déjà même avant.
même Oui, avant le ouais. massage, il y a déjà des choses. Parce que moi, je leur demande toujours pourquoi vous venez? Quelle est votre demande? Parce qu'en effet, Complètement. voilà, ils ont eu une demande à un moment donné pour avoir décidé de prendre rendez-vous. Donc, même si c'est la détente, hein, ce n'est pas un souci, mais qu'ils puissent On veut qu'il verbaliser exprime, cette c'est demande. Voilà, ça. c'est ça. Oui, Et ça c'est ça c'est important. important. Je voulais revenir aussi sur un truc. On parlait de l'intérieur du corps, c'est-à-dire de se réincarner, de se réancrer. Moi, j'ai fait l'inverse avec le massage, parce que moi, je suis quelqu'un de très ancré. Donc, je n'avais pas besoin de cet aspect-là. J'avais besoin de me réapproprier l'extérieur de mon corps. Ah Donc, oui. j'avais vraiment besoin, le massage, j'y suis venue pour me reconnecter à mon image, pour accepter mon corps. C'est-à-dire, c'était vraiment à une époque où je ne me voyais absolument pas comme j'étais. Ça, c'était un truc, une dissociation totale entre moi et mon image. Et du coup, ça ne m'aidait pas à m'aimer bien, vous comprenez bien. Et là, quand j'ai fait le massage, ben déjà oui, on se met presque nu quelque part devant quelqu'un, même si c'est une autre femme. Bon, maintenant, je me fais masser par des hommes, donc c'est sûr que c'est très différent. On peut dire que l'évolution, elle est là. Mais c'est très bien d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que plus on est massé, plus dans notre corps et dans notre esprit, le lien se remet, se retricote. C'est comme si on acceptait d'avoir ce corps-là et qu'on le voit même d'une autre façon. Parce que le miroir déformant, hein, vous savez bien ce que c'est, eh bien, il n'est pas réel. Le corps, il est différent. Et ça m'a aidée, mais alors d'une force. Fin, et je le fais, moi, j'ai constaté ça quand je masse. Ça a été une des premières choses qui m'est venue à force de masser, c'est d'aimer tous les corps. D'avoir cette notion de dépasser le corps physique, même si on s'en sert comme outil, mais de pouvoir dire aux personnes, mais vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes magnifique. À quelqu'un qui vient se dénigrer pendant un quart d'heure, voilà, et qui se trouve tous les défauts de la Terre. Et là, mais ça, c'est des gens, j'ai même fait pleurer, hein, sans le faire exprès au départ. Maintenant, je fais vachement plus attention, mais en fait, elles en ont pleuré parce que j'ai dit qu'elles étaient magnifiques. Je dis, mais c'est la réalité. Je dis, arrêtez de vous voir avec ce regard de juge. Oui, complètement. Et Voyez-vous oui. avec le regard de Oui. votre âme, de l'âme de votre compagnon, de l'âme de vos enfants. Voyez-vous avec leur âme. Arrêtez de vous voir avec ce juge de société-là qui nous raconte n'importe quoi. On s'en fout de comment on est physiquement, mais réconciliez-vous avec cette image-là. Tant que vous ne l'aurez pas fait, ça ne pourra pas changer. Déjà, vous ne perdrez pas de poids si c'est votre problème, et puis vous n'accepterez pas ce poids si vous ne pouvez pas le perdre. Donc, à un moment donné, il y a vraiment cette idée-là. Et moi, j'ai beaucoup de femmes qui sont embêtées par cette pudeur déplacée Oui. parce qu'on leur a inculqué ça dans leur tête. Et j'adore réussir à faire ça. C'est-à-dire que moi, ça, c'est mon. Je crois que quand je vois une femme qui se sent mal dans son physique, hein, qu'elle soit maigre, grosse, on s'en fout. Vous voyez, ce n'est pas lié à ça. Il y a toutes sortes de défauts qu'on se met dans sa tête, hein. Mais qu'elle arrive à se réconcilier avec son corps. Après une, deux, trois séances. Oh. Moi, j'adore. C'est mon truc. Ça, c'est Non, mon mais truc. t'as Moi, j'ai raison parce réussi que à le faire ça et je se. suis heureuse quand les femmes, hein, les hommes aussi, hein, les hommes vivent ça aussi. Hein, c'est un peu différent, mais ils vivent ça aussi d'une autre façon, mais ils le vivent vraiment aussi. Hein. En fait, ils ont plus d'illusions que les femmes, mais ils le vivent aussi. Mais les femmes, lui, c'est tellement souffrant. Comme dictature mentale, que quand j'arrive à casser ça, oh, yes! Et on peut le Mais de toute faire par façon, le massage, voilà. ça se ressent aussi déjà quand bon, je parle plutôt des femmes, moi, que j'ai vues viennent et au moment où on leur dit, bah, mettez-vous en sous-vêtements. Ah oui, bah, moi je leur dis mettez-vous nu, alors imagine, c'est Non, encore plus mais drôle. où elles sont là, elles savent pas comment se cacher, donc est-ce qu'on démarre sur le ventre? Donc elles ont qu'une hâte, c'est s'allonger sur le Oui, c'est et ça. à un Et moment après, il faut se c'est retourner. Oups. juste de dédramatiser l'événement, c'est-à-dire que C'est ça.
En fait, prenez votre temps, mettez-vous en sous-vêtements, installez-vous sur le tapis. Moi, je pose déjà les questions quand elles sont habillées, quand je vois que ça commence à s'affoler un peu parce qu'il faut se déshabiller. Vous venez pour un massage. Eh oui, c'est C'est ça, ça. moi j'ai un monsieur, il voulait garder Je ses fais pas du pare-varices. taille. Il a voulu garder ses pare-varices pour que je le fasse. Bon. C'était drôle. Oui, c'était drôle. Puis ben non, ça ne va pas bien le faire. Bon, il a adoré que je lui fasse, hein, mais en effet, ça a posé souci au départ. Donc, vous voyez, les hommes aussi. Mais Ouais. c'est vrai que dans notre travail, je pense que vous le voyez aussi, parce que moi, c'est ce que je vois, on réconcilie les gens avec eux-mêmes, C'est ça. avec leur corps, parce À tout qu'ils niveau, voient dans complètement. l'image, mais aussi des fois, on leur fait comprendre qu'il s'est pas, il se passe des choses dans leur corps. Et en Et ils fait, le ressentent. j'ai vraiment cette sensation que énergétiquement, ça les reconnecte avec eux-mêmes. Avec eux-mêmes, oui. Et avec la terre. Vous le disiez Ouais. tout à l'heure, c'est vraiment, moi je le sens beaucoup en ce moment, surtout pour les polarités yin. Il y a des reconnexions à la terre qui sont à faire. Hein. Vraiment, nous, enfin moi j'ai cette capacité de pouvoir reconnecter au chakra de la terre, mais c'est quelque chose qui est essentiel parce que sinon l'énergie elle monte pas. On ne capte plus l'énergie de la Terre. Donc, si on n'est pas bien ancré, on ne peut pas évoluer. Ça veut dire que nos chakras, ça ne peut pas monter l'énergie de chakra en chakra jusqu'en haut. Et bien, l'évolution, elle est à partir de là. Hein. Donc, là, C'est c'est clair. du chakra de la Terre, n'est-ce pas, hein? C'est très basique, mais là, cela, si on veut y accéder, c'est pour l'évolution. Donc, si on veut y accéder, il ne faut pas que ce soit bloqué quelque part. Hein. Alors, si c'est bloqué dans le premier, déjà, on est mal. Hein. Non, mais je dis ça parce que moi, ça m'est arrivé. C'est pour ça que je reconnais les symptômes parfois. Mais on le sait quand quelqu'un n'est pas ancré. Hein. Ça se sent Oui, ça très se fort. sent. Hein. Moi, je les sens s'envoler, comme dit Isabelle. Hein. Ils s'envolent Oui. des fois. Alors, effectivement, alors moi, c'est l'inverse, je ne sens pas s'envoler, mais quand je mets la main, je sens que ça redescend. C'est ça, tu les rattrapes, toi. Voilà, et ça descend. Ça, C'est et puis, comme des un fois, ballon. je leur dis, vous sentez? Puis, il y en a qui sont, mais ils sont à long, enfin, oui, ils sont sur le dos, sur le ventre et tout, mais je mets les mains sur le dos. Là, je vous sentais? Et les gens sont impressionnés, qui disent, mais oui, qu'est-ce Ah qui se oui. passe? J'ai dit, vous, ça descend. C'est comme si on a un ascenseur qui descend et qu'il y a deux corps qui se C'est repositionnent carrément comme ça. ça encore. C'est tout à fait ça. Et les très ancrés, parce que moi j'ai des très grands yang, plein de contrôle. Donc ceux-là, c'est pas que je les désancre, mais je remets un peu de souplesse. Un petit peu de Là, légèreté. je peux le faire aussi, oui. Et c'est très drôle parce que des fois j'ai des gens que j'ai fait ça au niveau des chevilles, et d'un coup ils m'ont dit, oh, mais c'était quoi ça? C'était C'était quoi quoi? Oh, ça? rien, j'ai juste assoupli un peu. Mais c'est drôle des fois, vraiment. Ah Oh, mais j'ai l'impression que je peux marcher. Ah, oh, ben c'est bien alors. Vous allez oui. peut-être avoir des ailes sur les chevilles. Mais c'est marrant, c'est assez amusant des fois. J'aime bien les ressentis des gens, moi. Ben, les ressentis, justement, les réactions, tout ça, ça fera partie de De la notre deuxième petite partie. papote. Oui. Tout à fait. Donc, merci pour cette papote d'aujourd'hui et Merci. on va Merci à enchaîner sur toi. la papote de demain. C'est ça. À bientôt les À filles. Au bientôt. revoir tout Voilà. le monde. Au revoir.